Trial, maintenant il est en VTT Trial à la belle. Franck, tu nous disais Abel, le VTT Trial, on retourne en volume parce que c'est complètement fou. Quand est-ce qu'il vous montait pour la première fois pour cette saison en VTT Trial? Ouais, c'est sa deuxième compétition en VTT Trial, si on considère que la première c'était la qualification. Il ne roule jamais au 26 pouces. Voilà, c'est pas incroyable, mais ben ouais, c'est complètement fou, mais c'est un talent énorme pour Abel Messias Garcia, qui un palmarès hallucinant en 20 pouces. Et attention, il vient de rentrer dans la zone, c'est le numéro 1 mondial, vainqueur des qualifications, celui que l'on surnomme le magicien, le belge Kenny Bellé. Kenny Bellé, 5 coupes du monde à son actif. Enfin, je suis venu en élite, c'est le vice-champion d'Europe en titre. Voilà, il se repositionne. Et il va en front de l'arc, le numéro obstacle, le numéro mondial, Kenny Bellé. Les précisions, là, complètement insensé qu'il est rendu au pilote. C'est passé sur cet obstacle pour Kenny Bellé. Bien sûr, champion de Belgique. Regardez le coup avant là, contre l'obstacle, accroché à l'eau de frappeur. Le coup arrière fait accrocher. Voilà, ça passe. On remonte l'arrière pour se positionner maintenant sur le béton. Vraiment toutes les surfaces sur ces zones, l'herbe, la terre, le bois, le béton, le sable. Allez, on va encourager le Belge, s'il vous plaît, pour cette zone numéro 1.